Régent Pesant disait souvent qu'elle n'avait pas trop pour longtemps. Pauvre Régent. Yes! Fait qu'est-ce que tu bois? Je devrais l'essayer. Tu manques quelque chose. Ça a l'air bon? Canneberge orange. Ouais, toi, t'as été chansonneur, je pense. Donc, ça a sûrement eu un impact. Qu'est-ce que ça a changé un peu pour toi là, dans ta carrière? Bien, ça a été une école importante pour apprendre à faire mon métier. Hein. Ça a été deux semaines avec des Edgar Bory, des Daniel Boucher, des Marie-Claire Séguin, qui m'ont montré comment interpréter, écrire, composer. Moi, c'était de 8 à 8, puis passer 8. Je sais pas si tu... Je pense qu'ils t'ont supporté un peu aussi, toi. Ah ben ouais, non, ils m'ont invité plusieurs fois. Et en tant que passeur aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai toujours trouvé ça extrêmement émouvant. Oui. C'est émouvant d'être là. C'est émouvant de voir les jeunes, tu sais, de voir la communication entre tout le monde. C'est ça, moi, qui ça me touche tellement. Je m'en vais labourer le Parlement, peut-être m'aura voir mon argent, maudit argent. Je suis engagé, tu sais. Parce que avant même de chanter, j'étais militant, tu sais, dans toutes sortes, pour toutes sortes de causes, tu sais. Je chante mes émotions. Alors, je chante pas juste l'engagement, je chante mes émotions. Et il peut y avoir là-dedans des chansons d'amour. Il peut y avoir là-dedans la vie, l'amour, la mort, peu importe, toutes les émotions. Mais dans mes émotions, il y a la solidarité. Ça me tire une larme, tu sais. Ben moi, j'ai pour mon dire, Paul, que quand tu chantes en français au Québec... Ben déjà, hein? Déjà là, ben oui. Tu te positionnes sans trop le savoir. Tu te mets pas du côté du plus fort et du plus facile. C'est ça. Ça, c'est sûr. C'est ça, voilà. On n'est pas maître dans nos maisons, car vous y êtes. Pour moi, la chanson, ou n'importe quelle forme artistique, là, faut que tu sois vrai, parce que c'est ça qui touche, c'est ça qui est émouvant. Quand tu as l'humilité de te montrer, des fois, sur des jours plus ordinaires, ouais. Autant dans l'expression de tes idées, tu sais, d'être toi-même, c'est surtout ça. Fait que, tu sais, si tu es quelqu'un de déluré, bien, tant mieux. Si t'es quelqu'un de tout en petite douceur, bien, faut que tu ailles à fond là-dedans aussi. Exactement. C'est un peu ça, moi, que j'essayais de passer. Ouais, je pense que je vais surfer un peu sur cette idée-là de, comme, encourager les jeunes artistes à continuer d'aller dans leur vérité. Puis je vais aussi essayer d'être très disponible. Parce que moi, j'aime ça prendre des marches, que ce soit à Grande-Vallée ou à Petite-Vallée, parler aux gens, parler autant aux amateurs de musique qu'aux artisans. Puis de discuter de notre industrie, de notre culture, pour continuer justement de le transformer puis de le rendre dans quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on trouve beau. Si vous ne voyez pas Petite-Vallée, vous manquez quelque chose dans votre vie, c'est sûr. On y va. C'est quand déjà? C'est quoi, bien, les dates? C'est du 30 juin au 9 juillet. 30 juin, fait parfait. Fait chaud, il fait beau. Moi, je vais être là le 29 au moins. J'espère bien, j'ai besoin de toi. Le 29, puis je vais passer... Jusqu'à quelle date? Jusqu'au 9 juillet. Parfait. Jusqu'au 9, moi, toi, jusqu'au 10. Maintenant, il faut 10.